Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tuto du 06 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Minecraft où je vais vous montrer comment faire un troll agriffeur tout simplement pour bien protéger votre maison. Donc très très simplement, très très facilement, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite, donc vous commencez par faire trois trous. Hop. Donc dans votre maison et tout, vous le faites n'importe où, ça marche partout. Et ici, ça sera votre trou de trollage. Donc vous le creusez à une assez bonne profondeur. Voilà. Donc si vous voulez qu'il soit trollé par des creepers, donc ne le faites pas trop profond, parce que si vous le faites trop profond, il va tomber, il va mourir sur le coup, alors que c'est plus marrant de le voir mourir avec des creepers. Donc je vais peut-être même remonter encore un peu. Faites-le quand même, alors faut faire très attention au dosage, parce que si vous ne faites pas assez profond, ça pourra endommager votre maison. Là, en l'occurrence, là, ça ne pourra pas. Donc voilà, donc vous faites un petit carré comme ça, et donc après on ajoutera les creepers. Donc je vais vous montrer. Donc déjà, donc voilà, une fois votre trou comme ceci fait, vous allez par-dessus faire l'espèce de pièce ou comme vous voulez. Voilà. Donc les blocs, je précise, hein, voilà, parce que je sais que vous trouverez ça moche. Les blocs, c'est avec ce que vous voulez. Hein. C'est vous mettez ce que vous voulez. C'est ça, c'est juste le design. Après, moi, je fais ça parce que je fais vite fait. Voilà, c'est pour le tuto. Vite fait. Donc ici, en fait, vous allez mettre le bloc que le griffeur va être intéressé. Donc je vous déconseille de mettre du diamant parce que ça fait un peu flag que vous voulez le piéger. Donc moi je vais mettre du diamant quand même, mais bon, je vous déconseille de mettre du diamant dans ce genre d'endroit parce que bah là voilà ça fait un peu bizarre quoi, du diamant en plein milieu. Donc voilà, moi c'est juste pour vous montrer voilà la valeur du greffeur. Donc voilà, il va avoir ça et quand il va casser ce bloc, et ben il va se retrouver à tomber comme un con là-dessous. Donc vous allez voir comment on fait. Donc c'est très simple, il vous faut. Donc là vous allez mettre une torche sur votre bloc. Vous allez mettre un sable au-dessus. Donc la torche va être nulle. La torche retient le sable et vous allez mettre juste en dessous une plaque de pression. Donc peu importe, le bois simple plus design. Voilà. Et donc quand il va casser ce bloc, enfin vous allez comprendre très très vite. Est-ce que vous allez faire ce que vous allez prendre de la redstone? Hop. Une torche de redstone. Et voilà. Donc vous allez prendre comme ceci, vous allez mettre la redstone comme ceci, vous allez mettre un bloc juste ici, vous allez mettre une torche de redstone juste ici. Et ici, vous allez mettre un piston. Un piston. Ici, vous allez recouvrir le trou. Donc, on va mettre la TNT, enfin, la redstone ici, excusez-moi. Voilà. Et donc, tout simplement, quand, là, je pense, donc voilà, c'est déjà fini. Hein. Vous pouvez bien entendu camoufler après, ensuite, avec votre maison. Voilà, vous rajoutez du bois, je vous ai dit, vous mettez ce que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Et donc, quand voilà, il va voir on imagine, hein, le petit trollolol là. Oh, du diamant! Du diamant, les amis, j'ai trouvé du diamant. Donc, ah oui, bien entendu. J'allais oublier le troll le plus important, bien entendu. Hop. Nos chers amis les creepers. Donc on va se mettre en facile. On va spawner des creepers. Eh oui, j'allais oublier le plus important. Voilà, on va mettre nos amis les creepers. Ils vont dire un petit coucou à la caméra. On remonte. On met notre bloc juste ici. Non, pas ici. What the fuck? Ok. Si tu veux. Et donc, notre petit contrôleur, donc on va se mettre en survie. Donc, game mode. 0. 3. Non. Si, oui. Donc voilà, donc il va se dire, tiens, du diamant, les enfants, je suis riche. Et, mais, casse-toi pas. Voilà. Et donc, il va creuser son petit bloc de diamant. Et quand il va creuser son petit bloc de diamant, il va se retrouver piégé comme un. Donc, voilà, c'était tuto du 06. J'espère que ma petite vidéo fun t'a plu. Donc, voilà, j'espère que mon petit piège à griffeur t'a plu. Donc, il est très simple, très pauvre en ressources. Hein, voilà. Vous pouvez même, si vous voulez, vous le perfectionner un peu en mettant un truc qui lui tombe sur la gueule quand il tombe, ou alors
en approfondissant le trou comme ça, et ben, il meurt sur le coup quand en tombant, et puis voilà. Donc j'espère que mon petit troll t'a plu. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!